dans les images. Bah... Et il y en a qui trouvent ça intéressant. Ah, bah... Cervelle... Slime... Oh non! Un zombie! Sauf qui peut! Ah, le zombie se rapproche! Ah, cervelle... Slime... Miam, miam! Que faire? Que faire? Prends ça! Aïe! Aïe! Oh! Ah ah! Tu n'aimes pas! Prends encore! Idiot de zombie! Oh! Sam! Oh! Sam, ça suffit! Aïe! Oh! Je sors des armes d'un plus gros calibre! Et... Boum! Ok, 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 j'abandonne! Samy, c'est moi! La version normale dessus! C'est vrai? Oui, oui! Je m'ennuyais et j'ai décidé de te tendre un piège! Ah! J'espérais que les zombies nous attaquent! Eh bien, désolée de ne pas être un zombie! Mais s'ils avaient vraiment attaqué, je n'aurais même pas eu d'armes pour me défendre! Comment ça, pas d'armes? Tu viens de me lancer des tomates dessus! Oh! Sam! J'ai une idée de génie! Hein? Quoi comme idée? On va fabriquer un fusil qui tire des tomates! Waouh! C'est parti! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un fusil original qui tirera ses tomates! Si, j'ai découpé les morceaux pour la poignée! Comme tu l'as demandé! Merci, Samy! Oh, tu les as aussi peints! Beau travail! Je sais! La modestie est la plus grande qualité. Amène-moi les bâtonnets en bois, en quantité. Compris! Fais bien attention en utilisant la colle chaude. Tu peux te brûler facilement. Ce n'est pas ça! Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, toujours pas ce que je cherche! Waouh! Si! J'ai trouvé les bâtonnets! On en a besoin de combien? Je dois en couper certains? Ouais, ce serait super! Ok, tiens! Je t'amène le reste tout de suite! Merci, Sam! On va insérer les pics comme ça. Ils permettront de tenir la gâchette. Et maintenant, on va ajouter de la colle forte pour bien faire tenir le tout. Et voilà! Très bien! Ça sera... J'ai oublié comment on appelle ça! Sam! Mais je ne sais pas non plus! C'est toi qui fabriques ce fusil! Sam, d'abord on le fait ensemble. Ensuite, le nom n'est plus si important. Voilà notre gâchette. On va commencer à la monter. Sam, où sont les pics? Tiens, j'étais perdue dans mes pensées. Pourquoi? Je me disais que si tu n'es pas un zombie, alors sur qui est-ce que je vais tirer maintenant? Il ne faut pas que ça te chamboule. J'ai une bonne idée. Et je suis sûre que tu vas l'aimer. Mais tu dois prendre ton mal en patience. Ok, je te fais confiance. Si, pourquoi est-ce que tu colles ce papier-là? Pour être sûre que notre gâchette fonctionne bien. Et pour qu'elle dure plus longtemps. Wouh! Je veux que nos fabrications soient bien solides et qu'elles durent longtemps. Parce qu'on va jouer tous les deux avec. Ce n'est pas que pour toi. Et je te montrerai aussi pourquoi ce n'est pas très sympa de tirer des tomates sur les autres. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Rien. On passe à l'étape suivante de notre fusil à tomates. Et ça, ça sera pour le canon de notre fusil. Ah, c'est juste un tube en carton avec des trous. Tu penses que ça va suffire? Ça ne sera pas un canon comme les autres. Ici, on aura des parties du mécanisme de notre gâchette. Il sera juste ici. Et ici, c'est pour les tomates. Ok, ok. Je pense qu'il va être parfait. Regarde, ça c'est un bout de l'impacteur. Ça devient intéressant. J'ai hâte de le voir en action. Tu verras bientôt tout. Mais d'ici là, apporte-moi les bâtonnets. Voilà tes pics! J'ai l'impression que ce fusil sera fait de pics et non de carton. Sam, ce n'est que le début. On aura bientôt besoin de plus de bâtonnets. Tu te souviens quand tu m'as dit que le carton était fait de bois recyclé? Eh bien, tu peux dire que notre fusil sera en bois. Ah, il est temps de fabriquer nos costumes de camouflage parce que là, les zombies peuvent nous repérer trop facilement. Bonne idée! Est-ce que tu peux aussi amener les pinces? Oh, il est déjà parti. Bon, maintenant, on va tout assembler. Tu dois bien faire en sorte que tout soit bien placé et que rien ne bouge. Sinon, le fusil pourrait se bloquer. Oh, c'est pas ce qu'on veut! Si le fusil se bloque, il n'y aura plus de jolis petits slimes! Parce qu'il se fera manger par des zombies! Ah! Samy, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. On va monter le reste de la poignée et du corps du fusil.
Ne lésine pas sur la colle. Comme ça. Et ça, ça va là. Sam, tu as trouvé les pinces? Na 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 na. Oui, je les ai. Tiens, si tu me distrais, ce n'est pas comme ça que je vais finir mon costume. Sam, ce costume a l'air sympa, mais je crois qu'on te repère beaucoup plus quand tu le portes que sans. Oh, t'as peut-être raison. Je vais y réfléchir un peu plus. Bonne chance. Je ne vais pas te distraire. Mais je pense qu'il ne part pas réfléchir, mais plutôt manger des sucreries. Aime la vidéo si tu penses comme moi. Su, arrête de faire des messes basses et prépare la décoration. Oh, Samy, tu as déjà tout préparé? Pas tout. Attends. Su, ferme les yeux. Ok. C'est bon, tu peux ouvrir. Waouh, Samy! C'est un motif super mignon! Mignon? Je ne crois pas que ce soit le mot approprié pour notre fusil. Ok, pas mignon, mais sympa. C'est mieux? Bien mieux. On va avoir besoin de deux tubes de diamètre différent. Cette partie doit bouger facilement autour du tube. Et maintenant, on va coller ici la base de la poignée. Sam, j'ai besoin de ton aide. J'arrive, Suzy. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on a besoin d'un cylindre en papier. Tu peux le faire? Un instant. Voilà. Oh, allez. Qu'est-ce qui ne va pas, Sam? Le papier est tombé amoureux de moi, c'est pour ça qu'il s'est collé sur ma peau. Parce que je suis trop géniale. Ah! Ça fait mal! Samy, tu es vraiment douillet. Est-ce qu'il te reste quelques bandes de papier? J'en aurais bien besoin. J'ai ça. Ça t'ira? Ouais. Parfait. Si, je ne suis peut-être pas un expert, mais c'est énorme! Il faut bien qu'il soit comme ça. Tu vas pouvoir voir ce qu'on va faire avec... Ok, voyons ça. C'est simple, Samy. Regarde. Clic, clic. Bam, bam. Est-ce qu'on a besoin de ça pour recharger? C'est pour que notre fusil fasse ce clic, clic. Cool, non? Je suis sûre que ça sera cool. Oh! Tu peux peut-être faire les morceaux pour cette glissière? Mais quoi exactement, hein? Coupe simplement le carton en fines bandes. C'est génial que tu me donnes un tel coup de main. D'ailleurs, est-ce que tu aides tes parents? Aime la vidéo si c'est le cas et clique sur la cloche si tu les as déjà aidés aujourd'hui. Comme ça, on saura combien de petits assistants regardent cette vidéo. Et voilà! Mon plus beau travail! Merci! Mais tu aurais pu les faire plus fines. Oh, allez, je rigole, c'est parfait! Bien sûr! Regarde ce que j'ai inventé! Tu trouves ça comment? C'est un super chapeau, Samy! Quoi? Un chapeau? Non, c'est un buisson de camouflage! Oh, je vois! Tu vas te cacher dans ces buissons dans ton costume! Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas encore? Non, 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 il est sympa! Mais tu as toujours besoin de tester ton combo costume-buisson! Samy a vraiment une imagination débordante. C'est pour ça que je l'aime tellement! Toi aussi, tu aimes Samy, pas vrai? Alors clique sur j'aime, en son honneur! Regarde le fusil qu'on a là, Samy! Tous les zombies vont manger de la tomate! Sam! Sam! Apporte-moi ces morceaux de carton! Tiens, mais ils sont collés ensemble! Parfait, merci! Oh, j'ai oublié une dernière chose, Samy! On a besoin de bâtonnets de glace! C'est urgent! Le mécanisme d'envoi des tomates fonctionnera comme ça. Je m'en suis bien sortie. Caporal Sam, à votre service, madame. Beau travail, soldat. Vous avez mené votre mission à bien. D'ailleurs, je précise qu'il faut mettre de la colle sur les deux côtés des bâtonnets. Ici, on peut coller des morceaux de carton ou les bâtonnets de glace. Hop! Maintenant, on va attacher les élastiques en caoutchouc à leur place. Deux d'entre eux iront là, sur les deux côtés. Et on va ajouter deux autres ici.
C'est pas mal. Voilà, tous nos élastiques sont en place. Encore une dernière chose à faire. On va fermer le chargeur de notre fusil à tomates. Si, j'ai étudié les plans et j'ai réalisé que nous allons mourir. Si, répare ça tout de suite. Arrête de paniquer. Bon, bon. Je vois. Voilà, merci beaucoup, Samy. Si, je vais t'aider pour la déco. Fini. Alors, Samy, est-ce qu'on commence à chasser les zombies? Des zombies? Mais ils sont arrivés par où? Eh oui, des zombies! Je t'ai dit que j'allais inventer des trucs sympas! Nom d'une vache! Ils existent vraiment? Il y en a plein! Si! Oh ouais, c'est trop cool! Merci, Samy! Alors, on tire sur ces zombies ou quoi? Samy, tu es prêt? Si, si, si! Vas-y! Tu peux le faire, si! Pouh, je suis super fatiguée! D'abord le bricolage et ensuite la chasse aux zombies. C'était marrant, mais épuisant. On est à sec de munitions! Il faut recharger nos stocks immédiatement! Oh! Je n'ai plus qu'elle! Mais je ne te la donnerai pas! Celle-là est pour ma salade! Si! S'il te plaît! Ok, mais n'oublie pas de dire au revoir à notre spectateur! Ok, aime cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne! Et partage cette vidéo avec tes amis! Salut!